Pour vous, c'est pas flippant, mais je vous jure que pour moi, ça l'est. Pourquoi? Parce que je suis la seule youtubeuse française à faire des vidéos tard le soir dans sa voiture. À tous les coups, là, il y a Joséphine qui apparaît, qui vous insulte. Non, mais on sait pas. Ne jugez pas mon fond d'écran, elle est là pour vous surveiller. Aujourd'hui, j'ai eu l'idée de fou. Mais vraiment, c'est un truc de fou. Je sais pas du tout si ça a été déjà fait sur YouTube ou pas, mais j'en ai rien à faire, je voulais absolument la placer. En gros, je vais me faire passer pour un mec sur un site de rencontre et j'espère qu'on va trouver des gens qui vont jouer au jeu ou du moins qui vont tomber dans le panneau. Mais quand je dis cette phrase, je pense vraiment à cette vidéo là. Today. Je sais que je la mets souvent, mais j'y pense tout le temps. Genre, je me réveille, hop. Today. Je vais me coucher, hop. Today. Donc écoutez, on perd pas plus de temps, on va tout de suite sur Badou. Juste avant que la vidéo commence, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo, c'est sur l'homme à chapeau. Je sais qu'il y en a énormément de mes abonnés qui kiffaient cette série et à reprendre un an après, donc ça pourrait être cool. Déjà, je vais aller quand même vérifier un truc. Ah, j'ai des abonnés. Eh, vas-y, ça peut le faire. Comment je fais trop la bah le mec du coup. Ça se trouve j'ai tombé sur des gens chelous. Oh, viens mais on fait le beauf. Oh ça fait. Attendez, faut pas trop de lumière. Genre comme ça. Non là ça fait trop beauf pour le coup. Non je pense que je vais prendre la deuxième, tu sais, avec les cheveux bouclés déjà de base, mes cheveux sont bouclés, donc est-ce que c'est un mensonge? Oui, quand même. Oh merde, faut se donner un nom. Axel. Choisissez une photo. Et si ça passe, j'ai vraiment du. Oh je ressemble à un mec, arrêtez. Il y en a plein d'abonnés qui pensent que je suis un mec, donc à un moment donné. On y est presque maintenant, choisis un mot de passe. Bah là le problème c'est que je peux pas montrer les visages, donc pour le moment ça va être un peu bizarre, mais les gars, je suis tombée sur une Sophie, elle a l'air hyper bizarre. Ça se sent qu'on va réussir à la piéger. Elle s'appelle Sophie, elle a 28 ans. Donc écoutez, je vais lui demander tout de suite son WhatsApp et on continuera dessus. Je pense que ça peut être une bonne idée. Alors Sophie, elle vient de m'envoyer un audio. En fait, le problème qu'il y a, c'est que vu que j'enregistre avec mon iPhone, eh ben, je peux pas entendre les audios. Bonjour. Non, ouais, oh, ouais, bonsoir Camille. Ça, c'est comme quand tu croises des gens dans la rue tard, tu dis bonjour, toi, tu t'es cru où? Bonsoir Sophie. Je vais quand même la prévenir que ça sert à rien de m'envoyer des messages audio parce que j'entends pas. J'espère qu'elle va me répondre. Imagine, genre, c'est un faux plan. La meuf va me parler et tout, et deux secondes après, elle va me dire, bah non, en fait, dégage. Là, j'appelle Joséphine et elle t'en fout deux, trois. Hein. De temps à autre, elle me fait moitié. Qu'est-ce que c'est? Oh, bah, j'ai un pyjama dans ma voiture. Bonsoir Camille. Mais pourquoi je flippe? Mais non, mais je suis trop habituée au challenge là, les gars. C'est pas possible. Comment vas-tu? Eh, je stresse. Là, je suis en date. C'est la première fois de ma vie. Oh, c'est émouvant. José, sans déconner. Est-ce que t'es fière de moi? Non, t'es moche. J'ai envie de vomir. Bien, merci. Et toi? Ça va? Oh, j'ai oublié le point d'interrogation. Elle va croire que c'est une phrase tout court. Je vais marquer ça va. Toi, tu recherches. Oh là là. Oh, je sais pas. Oh, mais la vie, mais je suis illettrée. Mais c'est pas une blague en fait. Je m'en amuse à dire ça, mais je crois que c'est vrai. Ah, vous savez ce que j'ai vraiment écrit? J'ai écrit ça va, toi, tu recherches quoi sur Badou? Elle va croire qu'elle parle avec un mec défoncé. Ma prochaine. Attends, mais je suis désolée. Les gars, elle m'a écrit ma prochaine, j'ai pas compris. Si vous entendez un petit. Bah, en fait, c'est les moustiques qui vous prennent pour des cons et puis ils foncent dans la caméra. Là, je les vois, ils tapent dedans. Je sais pas ce qu'ils cherchent. Hein. Non mais attends, mais c'est... Je vous jure, je veux faire une vidéo hors horreur, je tombe sur une psychopathe sans des... Peut-être qu'elle a bu. Attends, je vais mettre... Sophie sur Badou, on a vraiment pas du tout parlé de mes vidéos, comme quoi je faisais de l'horreur et tout. Et là, ça me fait un peu flipper, je t'avoue, parce que déjà, il fait noir. En plus de ça, bah, Sophie, je la connais pas, en fait. Ma prochaine victime. Mais qu'est-ce que c'est? Mais vas-y, mais dégage. Joséphine. Elle va me frapper à la fin de la vidéo, elle en a trop marre, je l'appelle. Elle répond plus. Si t'es là, twerk un petit coup, on sente le feuillage bouger, s'il te plaît. Ah bah je vais commencer à manger mes ongles. Vous m'avez jamais vu manger mes ongles, pourtant toute ma vie, depuis que je suis née, je suis comme ça. Mais là, tu vois, ça, c'est quand tu stresses. Oui, très bien, je pense avoir trouvé ma victime et c'est toi. Non, par contre, là, tu fais flipper. Hein. Genre, quand j'ai peur, je pète. Ah bon? Et là, elle me dit, tu veux jouer avec moi? Comment ça, jouer avec toi, Sophie? Sauf si tu pars. Oh! Oh putain, ta mère! J'ai posé ma main, en fait, sur un fauteuil d'à côté. Et puis, du coup, le reflet, c'était en haut de la vitre. C'est ma main qui est descendue. Je connais un jeu très amusant. Veux-tu me voir? Et tu comprendras. Allez, vas-y. Dans tous les cas, si je reçois des trucs vraiment étranges et vraiment pas ouf, je flouterai. Hein. Vraiment, là, vu que c'était pas prévu de base. Oh putain, mais ouais, ça se trouve, c'est ma voisine, en fait. Ça se trouve, c'est ma voisine qui écrit. Imagine, je vois vraiment ma voisine comme ça qui me regarde, genre en mode... Non, par contre, je savais que le monde devenait complètement taré, mais là, les gars, vous avez vu ce que j'ai reçu? Et j'ai plus beaucoup de batterie, Sophie, donc... Démarre le capot! Sophie était ma... Mais oui, je me dis, non, mais attends. Sophie était ma précédente victime et tu seras la prochaine. Les gars, je continue à lui parler ou pas, là, par contre? Je sais que d'habitude, je vous dis ce que j'écris, mais là, je suis tellement sous tension que j'écris avant de vous le dire. Sophie, moi, je voulais me marier avec toi, je voulais... Bah, on peut pas avoir de gosse, du coup. J'adore l'horreur, mais sortir avec un psychopathe, c'est lourd, quoi. J'ai déjà l'homme à chapeau, j'ai déjà Valak, on va s'arrêter là. Es-tu sûr de réellement vouloir savoir? Bah ouais, en fait, je suis en train de parler à quelqu'un que je connais pas et elle essaie de me faire peur. Parce que je suis sûr que c'est un prank, hein. Enfin du moins j'espère, mais c'est hyper malsain quoi. Et ça me casse, non mais ça me fait chier.
Ça me saoule. Je pense que ma chaîne est dédiée vraiment à l'horreur. C'est pas possible. Je voulais faire une vidéo qui change, me faire passer pour un mec sur un site de rencontre, mais non, c'est pas possible. Bah non, forcément. Il y a toujours quelque chose qui va pas, quoi. Je te soulagerai de tes petits doigts dans un premier temps. Ensuite, le bout des orteils. Alors, en fait, je t'explique. J'ai plus d'orteils. Un jour, je me suis noyée, j'ai ressuscité et mes orteils n'étaient plus là. Donc, tu pourras pas me manger les orteils, tout simplement. Ensuite, tes oreilles. La meuf qui fait la choquer, mais qui. J'adore garder mes victimes se tordre et se débattre dans tous les sens. Mais ce qui m'intrigue, c'est que je vois une lumière. Que je vois... Il m'a envoyé une photo. J'ai vu le reflet. Je peux te voir, Camille. 360 degrés, si tu veux, il n'y a pas de souci. Je suis où? Genre, c'est la question, parce que si elle peut me voir, bah moi, je veux savoir où je suis. La nuit, quand tu dors, je ne suis jamais bien loin. Même actuellement, dans ta voiture, je te... Pardon? Ah, ma voiture, maintenant, elle est équipée de fermetures des portes. Écoute bien. Fausse route. Oh la vache. Écoute bien. Bah écoute quoi, je suis en train de m'étouffer, en fait, là. As-tu entendu, Camille? Non, peux-tu refaire? Est-ce que vous entendez quelque chose? C'est la question que je vous pose, parce que moi, j'entends rien. Mais non, je te vois pas. Je ne... Non, mais si je te verrais, je viendrais directement te foutre une droite, en fait. Je ne te vois pas. Non, t'es où? Mais en même temps, tu me dis pas, genre, si tu veux jouer à cache-cache, y a pas de souci, mais on donne la règle du chaud ou froid. En même temps, comment tu veux que je le vois? J'ai une lampe énorme qui me fige la vue. Ta chambre est très jolie et j'adore ton ordinateur. Mais non, mais c'est pas vrai. T'es en train de me dire qu'en fait, là, t'es calé dans ma chambre? Attends, j'ai demandé si tu peux aérer. Et là, vous êtes abonné à une mongole, c'est pas possible. J'ai dans la main un petit objet qui semble t'appartenir. Tu viens le chercher? Que je mette les choses au clair, je n'irai pas dans ma chambre, c'est hors de question. Je vous le dis tout de suite. Moi, je veux les choses marcher au sol. Ça se trouve, c'est lui qui est en train de ramper comme ça au sol, sauf qu'il va tomber dans le trou que mon chien a fait juste avant. Regarde. Tortico. Je peux pas, j'ai McDo. Je sais pas si ce t-shirt existe, mais j'espère qu'il existera un jour. Et je pense que vraiment, si la vidéo buzz, je vous promets, et ça, je vous jure, quand le focus sera remis aussi, parfait. Je me ferai personnaliser un putain de t-shirt que je porterai une fois par mois en vidéo et ça sera écrit « Je peux pas, j'ai McDo ». Ne joue pas trop avec moi, tu risques de perdre plus que tu n'as à gagner. Comment ça? J'ai pas compris. Non, je prends plus trop les choses au sérieux parce que je pense que si vraiment elle serait là, elle serait déjà venue me voir. Ça me stresse un peu, je vous le cache pas, je vous le dis clairement. Parce que le mur derrière, la personne là, et eh ben j'ai le même dans ma chambre. Le reconnais-tu? Ben non, je sais pas c'est quoi ça. Pardon, je suis désolée, hein, si c'est quelque chose à moi, je ne le reconnais pas. Moi je vais savoir c'est quoi. Par contre, je suis la seule, dites-moi vraiment en commentaire les gars, j'ai l'impression que c'est pas une meuf derrière le masque. Je vais mettre c'est quoi? Ah, c'est une vidéo, il m'a envoyé une vidéo. Il m'a envoyé une vidéo les gars. Bon là je rigole plus trop parce que déjà sa vidéo fait flipper, en plus de ça il a quelque chose à skip, je suis censée deviner c'est quoi, mais sauf que bah, j'arrive pas à m'en rappeler. Non, ah non, non, je suis désolée, je ne répondrai pas à Sophie. Déjà, Sophie, t'es Sofiane, fils de pute. Attends, je mets fils de pute. Allez, j'ai l'application. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis carrément désolée parce que je vous promets que ça devait pas du tout se passer comme ça. Loin de là, je m'attendais vraiment pas à ça. Mais j'ai une chance sur combien juste que ça m'arrive ce genre de choses. J'espère que la vidéo vous aura plu quand même. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Ça dépendra quand vous regardez cette vidéo. Allez, tchou.